Est-ce qu'on a une petite tendance à nous donner, cher président Ludovic Obraniak? Plutôt Eric. Ouais, bah, je te voyais venir. Plutôt... Même complètement, non. Non, plutôt Eric, parce que j'ai une vraie confiance en l'entraîneur de Manchester United. Alors, c'est pas efficient hein, pour le moment, la patte Ten Hag, mais je crois que ce qu'il a fait à l'Ajax d'Amsterdam, quand même, ça parle clairement en sa faveur. Je pense qu'il a les capacités de pouvoir relancer un club comme Manchester United. Rabiot pourrait s'ancrer, justement. Manchester ne peut pas définitivement continuer à couler comme ça de la sorte. Il y aura bien un moment donné où ils vont reprendre pied. Alors après, quid de Cristiano Ronaldo, partira pas. Il va annoncer la vérité. Je pense, mais on sait pas quand. Je pense que pour le bien de tout le monde, ça serait bien qu'il s'en aille. Pour que Manchester puisse reconstruire, que Ten Hag ait les pleins pouvoirs et qu'il puisse essayer d'imposer quelque chose à United, ce qui est difficile de faire avec Cristiano Ronaldo. En ce qui concerne Rabiot, le problème du joueur, les exigences, tu regardes un peu international français, milieu de terrain, tu regardes ce qui se fait en termes de salaire, il est dans la grille. Hein. Il était à 7 millions à Turin. Bah oui, mais il est dans la grille. Et, là, on lui propose 6 millions et demi pour prime. Et puis, je pense qu'il a pu en discuter. Eux veulent l'entourage, enfin, sa mère, puisque son agent et lui. Oui, mais quand, quand c'était Jorge Mendes. Oui. Ou d'autres. En fait, le problème, j'ai l'impression que lui, de toute façon, il y a quelque part, c'est un peu pipé. Comme ça, il y a un discrédit au niveau de l'image avec sa maman. Quand c'est sa maman qui demande, c'est pas pareil que si c'est un agent très connu sur le marché. Parce que des demandes extravagantes, des demandes aussi importantes, mais d'autres agents les font. Sauf que c'est pas médiatisé de la même manière, parce que quelque part, c'est accepté. Mais à chaque fois, avec Adrien Rabiot, qui est un chic type au demeurant, et c'est important de le rappeler. Très bon footballeur. À chaque fois, cet aspect-là est tout de suite mis en avant pour le discréditer. Moi, je trouve qu'il y a effectivement un délit de sale gueule encore autour de Rabiot et de sa mère, qu'ils aient fait tous les deux des erreurs, c'est certain, notamment concernant l'équipe de France et la gestion de sa non-sélection, je ne sais plus quand c'était, Coupe du Monde, je crois, 2018. Il ne voulait pas être réserviste, pour être Il ne voulait pas être réserviste, exactement. Mais que lui reproche-t-on aujourd'hui de vouloir choisir la suite de sa carrière, de s'estimer à une certaine valeur et de ne pas aller en dessous? Je ne vois pas en quoi c'est une erreur. Et puis, tu as dit quelque chose qui est quand même important, c'est que c'est un bourbier de fou, Manchester United. C'est un traquenard sans nom, quoi. Donc, il n'est pas obligé d'aller s'y coller. Tu as entendu parler de Rabiot, toi, cette année, à la Juventus? Ça a fait écho. Regardez, on a fait une phase de sa dernière saison. Non, mais ce n'est pas le meilleur endroit. Il est un anonyme là-bas. Il est quand même international. Là, tu vas dans le. Enfin, il a joué 45 matchs. Non, mais la dernière saison n'est pas bonne. Il est décevant. Non, mais on ne parle pas de lui. Personne ne parle de lui. Alors, il est certes le chouchou de Deschamps, donc il va continuer avec l'équipe de France à perdurer dans cette équipe de France et il fera le mondial sans aucun souci. Mais Manchester, c'est la première ligue. C'est là où tout le monde regarde. C'est le championnat le plus suivi, c'est le championnat le plus impactant. Donc il y a quand même Manchester en difficulté ou pas, tu vas dans le plus grand championnat. Je suis d'accord, Ludo. Ça se tient à ce que dit Eric, effectivement, il y a des arguments massus, c'est assez imparable. Maintenant, moi, je suis à la place de Rabiot, je me dis aussi, je suis dans une équipe italienne qui reste une des 2-3 meilleures équipes italiennes. Qui va jouer le titre. Qui va jouer le titre, pour aller à Manchester, qui ne le jouera pas, qui ne jouera pas la Ligue des Champions, contrairement à la Juve, et sans un gap salarial. Parce que chacun de nous autour de la table, c'est pas du tout les mêmes échelles, on est très bien. Mais quand on quitte quelqu'un, c'est pour demander plus. Pour demander plus ou pour un truc qui est bien mieux. Qui est bien plus porteur. Sinon on reste. Est-ce que nous on quitterait la chaîne L'Équipe pour aller dans un navire qui coule ici. Jamais. Ou alors il faudrait qu'on ait vraiment une énorme augmentation de salaire et là peut-être qu'on la réfléchirait. Non, jamais. Peut-être pas. On dirait non nous. Non, mais voilà ce que je me dis. Maintenant le fait est que par rapport à sa dynamique à lui, on sent qu'il est pas dans la meilleure période à la Juve. On n'est pas sûr que ça se relance pour lui. Pour l'aspect purement argent, non seulement je crois qu'il est effectivement dans les tarifs du marché, et puis je ne peux pas croire un seul instant qu'il n'en ait pas parlé avec Paul Pogba, qui vient d'arriver à la Juve. Donc tu gagnais là-bas. Il connaît aussi la classe salariale de Manchester United. Il demande en conséquence. Pour moi, la question qu'on se pose, elle est sportive. De toute façon, il fait une erreur à partir du moment où il n'accepte pas de jouer numéro 6. Pour moi, c'est top joueur et justement, à ce poste-là. Et justement, Ludo. Et joueur... À ce poste-là. Bon joueur, mais sans plus dans les postes dans lesquels il veut jouer. Tu le fais jouer devant la défense, à deux ou tout seul, sentinelle.
c'est une perle. Ouais, c'est ça. Une perle dans sa capacité gestuelle à sortir les ballons, son intelligence de jeu, et même dans l'impact. Bah, le match référence de sa carrière, ça. Et s'il accepte de enfin de jouer ce rôle-là, je pense qu'il a encore un boulevard devant lui, et qu'il soit à la Manchester ou à la Juve. Hein. Il ne pourra que renforcer l'entrejeu de Manchester United parce que c'est Fred et McTominay. Donc il est largement au-dessus. Ils sont sur Casemiro. Il est largement au-dessus. Casemiro Rabiot, ça aurait. En gros, on parle de Casemiro, effectivement. Parce que Casemiro, apparemment, est en partance. Ils sont sur Casemiro, Savic, Milinkovic. Et bientôt, vous pourrez enlever Martinez et mettre Varane. Parce que Varane. Non, mais c'est vrai, Martinez, c'est un choix d'Éric Pénard. Après Nabil, tu sais. Varane, il va, je pense que vu ce qui se passe en deux matchs, là, Varane, déjà, il est rentré à la mi-temps. Ils n'ont pas pris de but derrière, c'était pas grâce que grâce à Varane. Ça peut dévisser plus qu'on ne pense. Quand vous dites, Manchester United, ils ne peuvent pas aller plus bas, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils peuvent, si ça continue comme ils peuvent vivre une des pires saisons de leur histoire. Mmh. On est quand même parti sur des bases très élevées. Mmh. Et je trouve qu'il n'y a aucune. En plus, il y a maintenant un aspect mental également. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués. Plus que le football, c'est leur cerveau qui est attaqué. Mais c'est là qu'on voit que le football. Un gars comme Maguire, par exemple. Maguire, c'est comme ça qu'on dit. Non, mais je ne veux pas mal prononcer. Non, mais lui, je veux bien. Lui, j'espère pour lui qu'il a son téléphone, il est éteint, quoi. C'est de l'acharnement, quoi. Je veux dire, c'est difficile de lui redonner de la confiance à ce garçon. Il est arrivé pour plus de 80 millions d'euros. Il est en énorme difficulté. Et chaque week-end, c'est capitaine. Pour lui. Et quand Ronaldo sera parti, c'est pas une bonne nouvelle pour Maguire, parce que si ça continue à mal tourner, ça ne sera que pour lui. Mais et c'est là qu'on voit que le foot, c'est quand même une drôle de chimie, parce que là, quand je regarde cette équipe, m'expliquer que ça, c'est pas une bonne équipe. C'est vrai. C'est ça qui est fou. Tu te dis, là, ils sont. Offensivement, t'es une bonne équipe. Ouais. Défensivement, t'as des lacunes. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est pas des mauvais CV. Défensivement, Maguire, c'est un mec qui est titulaire en équipe d'Angleterre et qui a été bon en équipe d'Angleterre. Martinez, il sort d'une très grosse période à l'Ajax et il a été payé très, très cher. Shaw, c'est peut-être le meilleur latéral gauche du dernier Euro. C'est pas des mauvais joueurs. Ok, c'est peut-être pas la défense de l'équipe de France 98. Mais franchement, ça reste présentable. On peut pas me dire que cette équipe, elle est pas bonne, quoi. On vous a listé les. Comme quoi, il y a autre chose, quoi. Elle n'a rien à faire à la 20e place. On est d'accord. On vous a listé ses concurrents à Manchester United, à son poste. On a essayé d'imaginer la même chose en bleu, parce que vous avez commencé à l'évoquer. C'est bon, il y va à la Coupe du Monde, etc. Mais moi, je ne suis pas sûr. Qui joue pas. Mais il y en a beaucoup qui toussent là-dedans. Il y en a beaucoup qui toussent là-dedans. Oui, on a mis la liste entière. Mais il y va quoi qu'il arrive. Déjà, c'est 26 au lieu de 23. Oui. Imaginons qu'il signe à Manchester. Le temps que tu arrives. Bon, normalement, il va faire 3 matchs ou 4 matchs. Et puis, Didier Deschamps, on sent qu'il y a une certaine confiance qui s'est instaurée avec lui. Donc, il le prendra, il ne le jugera pas sur 4 matchs à Manchester. La Coupe du Monde, c'est demain. Non, mais son concurrent, c'est Camavinga, il est gaucher. C'est demain. Camavinga, il est gaucher comme lui. Aujourd'hui, Camavinga, remplaçant au Real, c'est pas un concurrent de Rabiot. Rabiot, il a quand même. Et franchement, ça faut quand même lui rendre ça. C'est quand même quelqu'un qui avait perdu un crédit énorme après son histoire de 2010. Il faut la remonter l'histoire avec Deschamps qui quand même, c'est pas facile à le bouger. Quand il est revenu, il est bien revenu. Et aujourd'hui, il n'y a plus une sélection qui se fait sans Rabiot. Et même. Rarement même il est sur le banc, il est souvent dans cette liste là de concurrents. Il y a Kanté qui a manqué énormément de rassemblements ces deux dernières années. Il y a Pogba qui est blessé, on ne sait pas dans quel état il va arriver s'il arrive. Donc Rabiot est un des rares joueurs d'expérience au milieu de terrain dont on va avoir besoin. Et gaucher en plus. On n'a pas de gaucher. Tolisso souvent blessé, encore là. Donc c'est pas un motif de se dire bon, je vais peut-être aller voir du côté de Manchester pour après il faut attendre aussi, il reste donc 2 semaines et demie de marché des transferts. Donc voilà, premier septembre, 23h. Il va se passer des choses. Tu trouveras un accord. Cette équipe-là, ce ne sera pas celle de Manchester United début septembre. Non. Après, il faudra que Derea retrouve son vrai niveau, parce qu'en ce moment, depuis qu'il a pris, là, c'est catastrophique. Et la saison dernière, il a quand même fait quelques boulettes. Maguire, donc tu l'as dit, c'est peut-être Varane, d'ailleurs, qui jouera à côté de Martinez. Hein, peut-être, j'ai dit Martinez, alors, mais c'est peut-être Varane-Martinez. Rashford, annoncé, enfin. Pressenti pour éventuellement au PSG. Ronaldo, on en reparlera plus tard, mais je pense qu'il va partir. Donc le reste de l'équipe va encore bouger. Et je trouve qu'il y a moyen pour lui de s'installer rapidement dans ce 11 et de permettre à Manchester United de se redresser.